Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Je suis venu aujourd'hui ici à la frontière avec la Gambie à la rencontre de 21 villages, ce qu'on appelle Essom et Naran. Et je tiens à remercier tous ces villages qui sont déplacés dans le cadre d'un forum pour réfléchir pour le devenir de ces villages. Et c'est pourquoi je suis heureux d'écouter, d'entendre, mais surtout de réfléchir comment apporter des solutions à certains problèmes. Les jeunes ont parlé, les sages ont parlé, les femmes ont parlé. Et ce qui est notre ressort, nous allons voir comment apporter certaines solutions. Et nous allons aussi, dans le cadre d'un plaidoyer, donner ce plaidoyer au président Macky Sall. Mais j'ai tenu aussi à le faire comprendre, à le dire, qu'il y a des programmes ici que le programme que le président Macky Sall a mis en place. Le Puma, c'est une zone frontalière et le Puma a accompagné ces populations dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, mais aussi dans certaines zones des pistes de pollution. Mais aussi le PIDC et le PPDC. Et c'est pourquoi j'ai tenu, à côté des préoccupations, à côté des souffrances de la population, nous avons le devoir aussi d'apporter la bonne information, mais aussi ce que l'État est en train de faire sur le terrain. Certes, c'est un processus, mais aussi je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont parlé d'emploi et nous avons dit clairement qu'il y a des plateformes qui ont été ouvertes par l'État et on ne peut pas tout faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une réflexion qui a touché tous les secteurs, l'agriculture, où les jeunes ont posé le problème d'AgriGen. Et des informations sur l'agriculture, je pense que nous avons apporté les bonnes réponses et que dans certaines zones, même dans ce village Djongol, il y a 5 bénéficiaires. Et je pense qu'avec tous ces programmes, avec une bonne coordination, une bonne articulation, les populations peuvent être informées. Parce que c'est l'information, souvent, la circulation de l'information qui fait défaut. L'État fait beaucoup, mais si les populations, si les jeunes ne sont pas au courant, ça peut créer des problèmes. Et c'est pourquoi nous sommes là. Aller à la rencontre des populations. Nous sommes d'ici, on est né là, grandi ici, on doit écouter les populations, mais aussi apporter des solutions. Nous avons tenu, c'est en tenante, quand nous avons eu écho des cris de cœur des femmes sur des conditions d'accouchement, nous avons dit, pris l'engagement sur le champ d'accompagner ces femmes en lit d'accouchement, mais aussi en boîte pour la sage-femme. Ce ne sont pas des promesses, c'est du concret et nous avons tenu, c'est ça que pour le moment qu'on peut faire, c'est de doter ces postes de santé en lit d'accouchement et aussi le boîtier de la sage-femme pour accompagner les femmes parce que c'est ma vision, c'est la politique au niveau de la santé, la santé de la reproduction. Et c'est pourquoi nous avons tenu à accompagner ces femmes par rapport au lit d'accouchement pour que ces femmes accouchent dans de bonnes conditions mais aussi renforcer les capacités d'intervention de la sage-femme en les dotant d'une boîte pour la sage-femme.